du tout le monde, c'est celui sans trophée. On se retrouve aujourd'hui pour Mardi Gras, donc étape 1 sur 8, boutique de souvenirs à Alger's Point, donc étape 1 sur 8. Mes parents étaient des Indiens du Mardi Gras, des âmes du carnaval, attachés à la tradition, nés à Alger's Point, à la Nouvelle-Orléans, dans un magasin de souvenirs. J'étais destiné à honorer le passé. Quoi de mieux pour construire l'avenir? Trouver la boutique de souvenirs à Alger's Point, à la Nouvelle-Orléans, ouest de Miami. Alors là, ça va pas être compliqué en vrai de trouver la boutique de souvenirs. Hein. Donc, dans un premier temps, il faut aller à la Nouvelle-Orléans, à Alger's Point. Alors, la Nouvelle-Orléans, du coup, se trouve juste ici, du coup. Voilà. Et donc, Alger's Point se trouve ici. Et donc, là, vous voyez, il y a un pont qui sépare Alger's Point de la Nouvelle-Orléans. Et ben, c'est tout simplement en bas du pont à gauche qu'il faut aller. Donc, là, vous avez le pont qui est ici. Et donc, la boutique de souvenirs, elle est ici. Voilà, c'est un officiel au souvenir. Donc, je vais vous dézoomer pour vous montrer. Donc, là, ça peut être parce qu'il neige. Du coup, on voit pas très bien blanc sur blanc. Donc vous voyez l'itinéraire que j'ai mis. Voilà, c'est ici. Donc je vais vous dézoomer. Enfin, j'ai zoomé du coup. Voilà, donc Alger's Point, c'est ici. Le pont, il est ici. Et donc quand vous vous mettez comme ça, vous voyez le pont qui est ici. Ben voilà, la boutique, elle est ici. Et donc c'est marqué sur le bâtiment. Hein, c'est marqué devant la devanture, officiel souvenir. Donc ça veut dire la boutique de souvenirs officielle. Voilà, tout simplement. Donc il faut se téléporter à l'épreuve la plus proche. Et là, bah, le point de téléportation le plus proche, c'est Serial Jumper. Donc je vous conseille de vous téléporter à cette épreuve-ci. Donc vous voyagez vers. Une fois que vous êtes téléporté à l'épreuve, là du coup on va cliquer sur Respawn. Comme à chaque fois. Voilà, comme ça le GPS s'affiche à l'écran. Voilà, du coup la plupart du temps, je suis obligé de faire ça parce que sinon le GPS ne s'affiche pas. Enfin. Voilà, bon, si vous jamais c'est pareil que moi, hein, respawnez et vous inquiétez pas, le GPS s'affichera. Si vous mettez un itinéraire bien sur la route, normalement il n'y a pas de problème, ça devrait s'afficher. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. S'il y a un canal entre l'endroit où vous êtes et le GPS, oui, ça peut ne jamais s'afficher. Hein. Vous voyez, on n'est pas très très loin pour l'étape numéro 1. Bon, l'étape numéro 1, on peut se téléporter, donc ça a avantage. Hein. Et donc vous voyez la boutique de souvenirs, c'est ici. On va maintenir X pour valider l'étape numéro 1. Voilà, donc c'est bon. Donc la prochaine fois, bah, du coup, on se retrouvera jeudi pour se faire l'étape numéro 2. Donc la ferme de mon oncle. Donc étape 2 sur 8. Hein. Au début, je n'avais aucune perspective d'avenir. Mes parents sont morts quand j'avais 11 ans. J'ai été envoyé à la ferme de mon oncle au sud de Chattanooga. À côté de l'autoroute, je me suis mis à la mécanique. Je réparais des tracteurs pour oublier mon oncle. M'a appris à ne jamais abandonner. Ce qui est bien, honnêtement. Aller de la Nouvelle-Orléans à l'ouest de Miami, à la ferme de mon oncle, à l'est de Old Louisiana, nord-est de la Nouvelle-Orléans, avec un véhicule terrestre. Et bah du coup, voilà, on se retrouvera et bah, jeudi pour se faire l'étape 2 sur 8, Mardi Gras, la ferme de mon oncle. Donc, et bah, à jeudi, c'était Solution Trophée.